Je m'appelle Wanjiro, Wanjiro Kamuyu. Je suis née au Kenya, grandie au Kenya, et la danse classique est ancrée dans mon corps du Kenya. Ma mère m'a mis dans un cours classique, danse classique au Kenya, et mon papa a dit, mais combien de temps ça va durer? Elle a dit, peut-être toute sa vie, sans savoir. Et puis, ma mère est African-American, mon papa est Kenyan, Kikuyu. Et ils ont décidé de changer leur vie pour leurs enfants, en fait. Mais moi, à 16 ans, je n'ai pas pris la nouvelle comme ça. Donc, pour moi, c'était hyper dur. Donc, beaucoup de résistance et beaucoup de colère. On est arrivé aux États-Unis, à Ypsilanti, Michigan, ce qui est 45 minutes est de Detroit, de Détroit, où est grandie ma mère. Et la famille de ma mère est là-bas. Et en arrivant, c'était les dernières deux années de lycée, et c'est là où j'ai appris c'est quoi la race, c'est quoi cette notion de race. C'est là où j'étais racialisée. Pour la première fois, je me souviens, j'ai dit à ma mère, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Pourquoi ils m'appellent noir? Black? Why? Why are they calling me this? Et ma mère m'a dit, oh, bienvenue aux États-Unis, c'est comme ça que tu es catégorisée, ma fille. Je dis, mais ça veut dire quoi, ma? Elle me dit, mais c'est la couleur de ma peau. Elle m'a dit, oui, mais je dis, mais je suis marron. Et je suis marron, je suis femme, je suis agikoyo, je suis African-American, je suis plein de choses. C'est quoi ce délire? Je ne comprends rien du tout. Et elle m'a dit, get used to it, you know. Et comme mon amie Nani, qui je recoltais son histoire, elle est expat, elle a vécu en Zimbabwe, Rwanda, Ouganda, elle vient du Kenya, elle est comme moi, Jewish American et Kikuyu. Elle habite maintenant à Seattle et elle, dans son parcours d'immigration, elle me dit la première chose en arrivant aux États-Unis aussi pour elle, qui a grandi au Kenya comme moi, « You have to learn very quickly, you are black. » Or America will teach you. Les États-Unis vont t'apprendre vite que tu es noir. Apprendre vite toi-même, parce que ça va faciliter les choses. Donc, aux États-Unis, ça c'était la plus grande expérience pour moi qui me suivait dans mon parcours d'immigration. Et puis en arrivant en France, grâce à Jérôme Savary, j'ai passé une audition à New York pour son spectacle de Josephine Baker, bien sûr, à la recherche de Josephine. Et j'ai fait partie de son équipe chorégraphique, on était 5. Et après, j'ai fait partie des interprètes. Et je me souviens, la première chose qui me marquait en France, c'est hors d'être racialisée et catégorisée en tant que la couleur de ma peau et réduite de la couleur de ma peau, c'est en tant que femme, j'étais pas juste sexualisée, mais j'étais hyper sexualisée et exotifiée. Et ça, c'était nouveau. L'exotification, l'hypersexualisation, c'était nouveau. Et c'est pas juste l'exotification de mon corps en tant que femme, mais c'est ma peau, c'est mes cheveux, c'est mes vêtements, ma danse, ma musique, mes histoires, la nourriture traditionnelle de chez moi, tout est exotique. Mais pourquoi? Je ne comprends rien. La pièce « An Immigrant Story », c'est un solo. Et c'est inspiré par une rencontre en 2017 en association à un groupe qui s'appelle Euroculture. Et j'ai travaillé en tant que chorégraphe avec 65 jeunes Européens de l'Est et 11 réfugiés de Soudan, Afghanistan, Libye et Syrie. Et particulièrement, leurs histoires sont restées avec moi. Vraiment, c'est des histoires très horrifiques et ils ont toutes traversé la mer. Donc, c'était des histoires hyper touchantes. Et tu poses la question, toi, tu es capable de faire ça, mais quand tu es dans une urgence, c'est life or death, tu fais qu'est-ce que tu as besoin de faire. Tout ce type d'histoire m'a en fait
me fait réfléchir ou réfléchir sur mon propre parcours en tant qu'immigrant. Donc, je me suis dit, c'est avec le débat actuel de l'immigration aussi, avec toutes les discriminations, tout le préjudice, tout le blocage, toutes les hiérarchies et les privilèges, je me suis dit, je pense que j'aimerais bien créer un spectacle autour de ça et parler de ça. Je sentis en responsabilité de donner un peu de parole sur ce discours-là, ce débat-là. C'est comme ça le spectacle est né. Et c'est un spectacle qui est aussi, le noyau, c'est mon histoire. Parce que le sujet est énorme, énorme. Donc, tu sens un peu, tu ne sais pas où, quelle direction tu veux aller. Et je me suis dit, you know what, en regardant mon histoire, j'aimerais bien regarder l'altérité. Parce que avec toutes ces histoires que j'ai récoltées, les gens que j'ai rencontrés, c'est quoi notre carrefour, notre meeting place? Et c'est l'altérité. Comment regarder? Comment les gens regardent nous, comment on regarde eux aussi. Donc, c'est maintenant ça, c'est la base du spectacle. Et dans la construction de la pièce, j'ai différentes thématiques que je touche. Et l'altérité, pour moi, c'est aussi, en tant que femme, la chaussification. Et je me suis dit dans la recherche, OK, c'est qui les icônes en France qui sont célébrées en tant que femmes et qui ont vécu la chaussification, l'hypersexualisation, l'exotification. Le plus grand, c'est Josephine Baker. Donc, j'ai fait un clin d'œil à elle, Grace Jones aussi. Donc, j'ai essayé, et aussi le période, menstrual period aux États-Unis et en France. Les personnages comme Chocolat en France, d'être pris comme un clown. Et c'est ça l'image, c'est ça l'attente de ce type de corps. Vous faites que ça. Donc pour moi, c'était important de faire cette. Parce que l'histoire de Josephine Baker, Chocolat, ça existe aujourd'hui. Hein.